C'est un sentiment d'amertume. Quand ton pays perd, quel que soit ce que tu es, que tu sois avec eux là-bas ou que tu sois à la maison, c'est un sentiment d'amertume. J'imagine ce qui serait, je me projette déjà à la maison pour voir ce qui doit se passer dans les maisons, dans les rues. Tout le monde devrait être normalement triste. Mais nous devons apprendre à accepter les choses, à faire des évaluations sur les compétitions pour se corriger et ne pas commettre les mêmes erreurs. Je dois dire à brûle-pourpoint que c'était de la même façon que nous avions perdu pour la CAN. Donc il y a un problème qui se pose que nous n'avions pas encore diagnostiqué. Il va falloir, et techniciens et administratifs, qu'on s'asseye pour trouver et faire le diagnostic nécessaire afin d'apporter des correctifs. C'est facile de dire qu'il faut changer, renouveler l'effectif. Mais on ne renouvelle pas l'effectif d'une équipe comme on le veut. Il faudrait que vous ayez un championnat qui puisse répondre et produire des joueurs de qualité. Il faudrait que vos joueurs soient du niveau de la compétition auquel vous voulez participer pour que vous cherchiez à les remplacer. Donc, il va falloir que nous fassions table rase de tout ce qui s'est passé et que nous nous asseyons quand même pour réfléchir profondément aux mots qui mènent notre football afin de le remettre sur la voie du développement, la voie des hautes compétitions.